jette l'oreille qu'à ton amour et merveille. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse. Seigneur, pour l'occasion qui nous donne ce soir d'être encore là pour le moment d'enseignement du mercredi que nous avons l'habitude de faire depuis quelques mois maintenant. Et nous continuons notre enseignement sur la place du Saint-Esprit dans la marche de l'Église, selon la vision que Dieu a donnée à son Église. Et comme nous avons l'habitude de le dire, c'est véritablement l'Église doit s'aligner à la pensée de Christ. Et avant tout cela, nous allons commencer par préparer nos cœurs à cet enseignement. Et cela passe par quelques moments de cantique, d'adoration, de louange, mais également de prière. Nous allons prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous disposes encore à être dans ta présence. Et Seigneur, à te célébrer, à te louer, à disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Et nous sommes, Seigneur, heureux de t'appartenir. Et Seigneur, ce soir, nous voulons te donner toute la gloire, l'honneur, la célébration au siècle des siècles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant commencer par quelques cantiques. Nous allons commencer ton œuvre, comme le cantique le dit. Oui, c'est l'œuvre du Seigneur et nous voulons lui donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Oh, que ton nom soit élevé. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur qui est connectée, qui regarde, Seigneur, ce moment, Père, nous te prions de le bénir, de la bénir. Et que, Seigneur, ce moment de préparation, Seigneur, soit bénéfique pour chacun d'entre nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons,
Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Oui, envoie ta puissance sur nous, notre Seigneur. Et proclame ta parole au monde. Oh Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Et proclame. De Dieu pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Sans la puissance de Dieu, nous ne pourrons rien faire. Le Seigneur lui-même, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, une puissance qui va descendre sur vous, ainsi vous serez mes témoins. Et bien aimé de Dieu, le psalmiste va nous dire dans le psaume 25, le verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons que le Seigneur nous enseigne ses sentiers, que le Seigneur nous montre ses voies. Et il continue en disant dans le verset 5 du psaume 25, il dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Et parce que nous voulons que le Seigneur nous montre sa voie, nous devons disposer nos cœurs. Oui, je te donne mon cœur. Et cela doit être ce que nous devons faire, mon frère, ma sœur. Donne ton cœur entièrement. David dira à son fils Salomon, oui, que ton cœur soit tout à l'Éternel, parce que l'Éternel sonde les pensées et il regarde le fond du cœur. Il faut que tu l'adores, tu le serves d'un cœur complètement disposé. Oui, c'est ce que nous voulons faire. Que le Seigneur nous fasse connaître ses voies et qui nous enseigne ses sentiers. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te donnons notre cœur. Nous disposons notre cœur à toi. C'est toi Seigneur qui nous sanctifie. C'est toi qui nous prépare Seigneur. Là où nous sommes tombés Seigneur, tu nous as relevés. Là où nous sommes Seigneur égarés, tu nous as ramenés sur le chemin. Et Seigneur, le cœur repentant, c'est le cœur que tu as créé devant toi. Et ce soir, nous avons un cœur repentant et nous venons à tes pieds, Seigneur. Oui, je te donne mon cœur, Seigneur, ce soir. Alléluia. Je te donne mon cœur. Oh, merci, Seigneur. Je te confie mon cœur, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Oh, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, que mon cœur, Seigneur, soit agréable, soit agréable au Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur devant toi, oh mon Père. Je me soumets entièrement à toi, Seigneur. Reçois toute la gloire. Célébration à toi, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. À toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Yes. Seigneur, je te donne tout, Seigneur, parce que la Bible déclare qu'un seul est mort et tous sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous te donnons tout ce soir. Oh, Saint-Samoya, merci, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, célébration à toi, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. C'est ta faute de mon cœur.
Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bien aimé, voilà la pensée de Christ. Le Seigneur veut que nous soyons tout à lui et que nous puissions le chercher pour qu'il se laisse trouver. Et encore, maintenant, dans le temps de la grâce, nous voulons vraiment que notre Dieu
puisse se révéler à nous et que sa gloire se manifeste à chaque instant de notre vie. Donc, mon frère, ma sœur, que ton cœur soit tout à l'Éternel. Avant que nous ne puissions écouter la parole de Dieu, nous allons chanter un dernier cantique qui va nous introduire à écouter la parole de Dieu. Je pense que ton cœur est tout à l'Éternel ce soir, afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour la préparation de nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Et comme je l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons continuer notre enseignement sur la place du Saint-Esprit dans la marche de l'Église. Nous savons que l'Église, le Seigneur a un dessein pour l'Église, a un plan pour l'Église. Et en partant, il a dit à ses disciples clairement qu'à partir de Jérusalem, l'Église doit s'étendre.
Et les apôtres ont commencé cette expansion de l'Église. Et la personne qui a le plus contribué à cette expansion, c'est l'apôtre Paul. Et depuis quelques temps, nous étions en train de parler déjà des différents voyages missionnaires de l'apôtre Paul, en discernant la place du Saint-Esprit dans cette marche de l'apôtre Paul, dans la vision que le Christ lui a donnée. La semaine dernière, nous avions parlé donc de Paul qui a pris sa défense devant le roi Agrippa dans Actes des Apôtres chapitre 26, où il a fait un témoignage extraordinaire de Christ en présentant avec sagesse, avec un certain respect et calme, a présenté l'œuvre de la croix. Et nous savons que l'apôtre Pierre avait déjà dit cela. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 13 ou verset 17, où nous avions également lu ce passage où l'apôtre Pierre dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous devons sanctifier Christ dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il dit? « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et ça, c'est le cœur de notre message ce soir. Nous devons, avec respect et avec douceur, défendre ou bien exprimer notre témoignage de qui nous avons, de l'espérance que nous avons en Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul a eu à faire devant ces différentes personnes, devant la foule à Jérusalem, ainsi devant le roi Agrippa. Il a fait une prestation extraordinaire. Et lorsqu'il va dire, dans le Actes des Apôtres chapitre 26, et lorsqu'il va dire dans le verset 16, et lorsque sa rencontre, en parlant de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 15 d'abord, il dit « Je répondis, qui es-tu Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, il est complètement à terre. Et il dit « Mais, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Nous voyons que c'est Jésus qui appelle ses ministres. Jésus, c'est l'image aujourd'hui du chef de gouvernement qui appelle ses ministres. Aucun ministre ne s'est autoproclamé, mais c'est le maître qui nomme ses ministres. Il dit « Je te suis apparu pour t'établir. » C'est lui qui établit Paul comme étant un apôtre, un témoin des choses qu'il va lui dire et des choses qu'il va lui révéler. Et donc il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Vers qui je t'envoie. Et la mission est claire. « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et nous avons dit la dernière fois que lorsque le message est clair, la semence est très claire, elle est pure, elle produit des effets. Forcément, elle produit des effets. Et cette exhortation que l'apôtre Paul a donnée, est une forme de pression en présentant la parole, même beaucoup avec douceur et respect. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le verset 24 nous dit, « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Et là, nous comprenons que son message a atteint un but. Ce message a touché les cœurs. Vous vous rappelez quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible dit, les gens étaient vivement touchés dans leur cœur et ils ont dit, oh frère, que devons-nous faire? Et en réalité, ce sont des gens qui sont élevés en dignité. Ils ne pouvaient pas dire cela devant leur sujet et devant Paul. Mais ils vont réagir autrement. Et Paul va lui répondre, je ne suis point fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité
et de bon sens que je prononce. Alors, quand il dit cela, c'est quelque chose pour pouvoir donner la certitude que mon témoignage est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je n'ai pas peur de vous le prononcer, de vous le certifier que je vous dis la vérité. Et ça, c'est très important parce que cette certitude va faire un effet encore plus important. Alors, la Bible dit, et dans le verset 26, donc Paul va enfoncer le clou parce qu'il a cerné le fait, le disciple lui a dit, je suis en train de faire le travail dans leur cœur. Je suis en train d'ouvrir leur cœur, de leur dire qu'ils ont besoin de ce Jésus. Ils ont besoin de faire alliance avec ce Jésus. Alors, Paul va continuer. Le roi est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Ce sont des choses qui sont évidentes. Et va leur dire Paul, ça va leur rendre encore la tâche facile. Il dit, mais ce que je vous dis, ce n'est pas une révélation extraordinaire, c'est des choses évidentes. Alors, il va aller plus loin. Il va aller plus loin, il dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Alors là, il est en train de faire ce que nous appelons, ou bien les commerciaux appellent, c'est-à-dire engager la personne. Engager la personne à accepter. Donc là, il engage le roi Agrippa. Il lui pose directement la question. Il dit, est-ce que tu crois au prophète, roi Agrippa? Donc, il a interpellé directement. Et c'est ce qu'il faut faire, être attentif à l'effet de la parole. Lorsqu'on prononce la parole, on veut amener quelqu'un à Christ. Nous ne devons pas débiter seulement ce que nous avons déjà mémorisé ou bien ce que nous avons préparé. Mais nous devons faire quoi? Nous devons être attentifs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Avoir le regard. Est-ce que la personne saisit le message? Vous rappelez que lorsque les apôtres prêchaient, ils regardaient dans la foule. Et la Bible dit que lorsqu'ils voient la personne qui est qui a la foi, ils peuvent dire à cette personne, lève-toi et marche. Donc, voyant que la personne a la foi, donc en regardant le regard, on sait que la personne reçoit ou ne reçoit pas la parole. Et donc, l'apôtre Paul va enfoncer le clou. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller plus loin. Roi Agrippa, je sais que tu y crois. Alors là, il est en train de donner une certitude. Je sais que tu y crois. Tu y crois. Ce n'est pas que je t'ai entendu dire quelque chose, mais le Saint-Esprit me témoigne que tu y crois. J'ai la réponse. Je te pose la question, mais j'ai en même temps la réponse. Alléluia. Nous voyons vraiment le discernement avec lequel l'apôtre Paul est en train de discourir. L'apôtre Paul est en train d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, la Bible dit, quand on vous amènera en jugement ou bien devant les tribunaux, ne planifiez pas ce que vous allez dire, mais au moment précis, le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut dire. Et c'est ça exactement. Le Saint-Esprit est en train de le conduire pas à pas, pas à pas. C'est pour cela que la présence du Saint-Esprit, ou bien le discernement de l'œuvre du Saint-Esprit dans la Bible, surtout dans les Actes des Apôtres, est important pour l'Église aujourd'hui. De savoir que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous devons discerner que le Saint-Esprit est capital pour nous. Même dans l'annonce de l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole, qui va convaincre les cœurs. Et donc, il va lui dire, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alors, mais en réalité, dans son cœur, il a déjà accepté le Seigneur. Dans son cœur, il a déjà épousé ce que l'apôtre Paul lui a donné comme témoignage. Parce qu'il dit, mais bientôt, mais ce n'est pas bientôt. Il est déjà persuadé que ce que l'apôtre Paul raconte, c'est la vérité. Et cela, c'est dans la suite que nous allons voir que mais il est convaincu de la vérité que prononce l'apôtre Paul. Et nous voyons que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va faire cette œuvre. Il dit, bientôt tu vas me convaincre, persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu. Que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Alors cette parole de l'apôtre Paul, elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul sait qu'il est en train de faire une semence.
Et donc, quand on sème, on ne doit pas se préoccuper de comment ça va croître ou comment ça va porter du fruit. Et c'est cela que l'apôtre Paul va révéler aux Corinthiens. Quand les Corinthiens se battaient, moi je suis d'Apollos, l'autre dit je suis de Paul, il dit non. Tout cela c'est des œuvres de la chair. Ne prenez pas parti. Parce que nous tous, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et il va leur dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 au verset 9, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et ça, c'est la pensée de Christ. Chacun a un bout de chemin à faire. Moi, je donne la parole, je m'en vais, la parole pure, c'est-à-dire la vraie semence. Et comme c'est le Saint-Esprit qui est toujours l'architecte de toutes ces choses, il va utiliser une autre personne qui va arroser. Et Dieu qui sait toutes choses va faire croître. Alléluia, nous savons que toutes ces choses-là, ce n'est pas Dieu, ne se réveille pas en disant, ah oui, cette personne est en train d'écouter la parole, ah oui, je vais le faire, je vais faire en sorte que cette personne soit convaincue. Non, le Saint-Esprit est l'architecte. Il convainc le cœur de justice, de jugement, de péché, de justice, de jugement, et il va l'amener à être persuadé que ce qu'on lui dit, c'est la vérité. Maintenant, il y a l'orgueil qui fait que la personne va résister un peu. Il va amener une autre personne qui va arroser. Et progressivement, Dieu va faire croître. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose. En réalité, il attend de dire, mais moi je ne suis rien. Je ne suis personne. Je ne suis qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser pour semer. Apollos en est un autre instrument que Dieu utilise pour semer, pour arroser. Mais tout cela, il y a un architecte qui est en train de coordonner tout ça. Et c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu qui est au contrôle. Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia, nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Tu n'es pas ouvrier pour Dieu, mais tu es ouvrier avec Dieu. C'est une nuance importante. Tu ne travailles pas, je travaille pour Dieu. Tu perds ton temps. Il faut travailler avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Parce que toi, tu fais cette part, l'autre fait cette part, Dieu fait sa part. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire notre part, frères et sœurs. Si tu ne fais pas ta part, tu dis Dieu, je laisse tout à Dieu, Dieu va le faire. Tu es en train de te mentir. Ici, clairement, on nous montre que l'apôtre Paul a sa mission. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit qu'il doit aller prêcher. Il dit, je vais t'envoyer devant les rois, ainsi de suite. Nous l'avons lu plusieurs fois dans, quand l'apôtre Paul a été appelé, et même au roi Agrippa, il lui a dit cela au milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et ailleurs même, la Bible dit clairement, devant qui paraissent devant les rois. Devant les rois. Et donc, il va paraître pour faire quoi? Pour témoigner. Témoigner de Christ. Il dit, tu vas témoigner devant moi. Tu vas témoigner de moi plutôt devant les rois. Devant le peuple, devant les rois. Donc, ce que la mission que Dieu a assignée à Paul, ce n'est pas d'aller convaincre les rois. Aujourd'hui, tu dois recevoir Christ. Aujourd'hui, il faut que tu sois converti. Je vais t'amener à l'église. Non, ce n'est pas la mission que le Seigneur a assignée à Paul. Il dit, il faut que tu ailles témoigner de moi devant les rois. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a présenté aux Corinthiens en disant, moi, je fais ma part. Apollos fait la sienne. Et Dieu fait également sa part. Et ça, c'est quelque chose qui est important que nous devons comprendre. Et nous voyons que cela fait mouche. Quand nous travaillons avec Dieu, cela fait mouche, cela marche quand nous travaillons avec Dieu. Et donc, je vous exhorte
Et cet enseignement, c'est exactement cela. Pour que nous voyons les subtilités de la marche avec Dieu, les subtilités du service de Dieu. Aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Chacun se dit, moi, je vais travailler plus que l'autre. Je vais travailler, Et on voit des conflits de personnes, des conflits de positions. Mais il n'en est pas. Dieu ne nous appelle pas à ça dans son église. Chacun a un bout à faire. Chacun doit jouer sa partition pour que toute la mélodie soit agréable à entendre. Donc si celui qui joue la trompette se dit, moi je vais aller jouer la batterie et donc je vais laisser ma trompette, alors qui va jouer la trompette? Celui qui est appelé à jouer la batterie dit, moi c'est la guitare qui m'intéresse. Il laisse la batterie pour aller jouer la guitare. Alors qui va jouer la batterie? Bien-aimé, chacun doit jouer sa partition. Supposons que celui qui est le batteur, il dit, vous autres là, je n'ai pas besoin de vous, je vais jouer moi seul. Ça ne sonnera pas bien. Si c'est la trompette, celui qui joue la trompette, qui dit, moi, vous autres, vous pouvez aller, et moi seul, je vais faire. Ça ne marche pas. C'est une équipe. Dieu n'a pas appelé qui que ce soit pour être un super homme, un super serviteur de Dieu. Dieu a appelé des équipes. C'est pourquoi la Bible dit, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, d'autres également comme pasteurs. Et docteurs, d'autres comme prophètes, tout cela pour faire quoi? Pour l'édification du corps. Pour l'édification, le pasteur ne peut pas tout seul faire l'œuvre de Dieu. L'apôtre ne peut pas seul faire l'œuvre de Dieu. Le prophète non plus. Et l'enseignant non plus. L'enseignant ne peut pas dire, oh moi je connais tellement, Dieu m'a ouvert l'intelligence. Donc le pasteur, toi tu ne fais pas bien ton travail. Oh toi et prophète, tu ne fais pas bien ton travail. Non, chacun a sa partition à jouer. Ça fait partie de la pensée de Christ. Discerner la place du Saint-Esprit, c'est également ça. Discerner que le Saint-Esprit peut utiliser chacun selon son tempérament, selon le don qu'il lui a accordé pour que l'œuvre puisse avancer. Et ça, c'est la pensée de Christ. Et donc, se disputer les places, ce n'a jamais été la pensée de Christ. Et donc, si tu es dans cette situation de dispute de place, alors sache que tu es en train de t'écarter de la pensée de Christ. Jamais Christ ne va se diviser. Ce n'est pas possible. Christ ne va pas t'inspirer d'être en confrontation avec ton frère. Christ va plutôt t'inspirer par son Esprit Saint à faire quoi? À encourager ton frère. Lorsqu'il est bien quelque part, il faut l'encourager, prier pour que le frère puisse exceller encore dans le don que le Seigneur lui a accordé. Si la personne, le Saint-Esprit lui a accordé la grâce de pouvoir exhorter, il faut qu'il persévère et qu'il s'épanouisse dans l'exhortation. C'est un autre, c'est l'enseignement qui persévère et qui puisse également s'épanouir dans l'enseignement. Mais si on dit, oh ben lui il enseigne, mais moi je peux enseigner mieux que lui. Oh lui il prêche, mais je peux prêcher mieux que lui. Alors où est l'intérêt de Christ dans tout ça? Bien-aimé, l'Église doit revenir à sa mission première. Sa mission première, c'est d'être à la disposition de Christ pour que l'architecte qui est là puisse nous placer là où il veut. Lui, il sait où tu seras meilleur. Il sait à quel endroit tu as et il t'a donné les potentialités pour que tu puisses œuvrer pour lui. Donc, si chacun a sa place, bien-aimé, l'œuvre de Dieu va avancer dans ce monde. Et nous savons que le Seigneur est proche. Et nous devons chercher à être à notre place, à ne pas prendre une place qui ne nous appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse pour cette parole. Et donc, le Saint-Esprit va persuader le roi Agrippa et sa suite. Et nous allons voir que Festus, il a réagi immédiatement. Et le roi Agrippa qui dit, mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là où je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est véritablement à l'œuvre dans le cœur de ces personnes en écoutant la parole de l'apôtre Paul, le verset 30 nous dit, donc Actes des Apôtres chapitre 26, verset 30, le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns les autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Vous croyez que... Mais ils étaient convaincus qu'ils n'avaient rien fait avant de l'écouter. Mais quand ils l'ont écouté, c'est sa vérité, la vérité qu'il a prononcée, le témoignage de Christ
qui a touché leur cœur. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour toucher leur cœur, leur donne encore la certitude que celui-là, il est dans la vérité. Et donc, ils avaient le cœur dit, mais celui-là, il mérite qu'on le libère. Il dit, il ne mérite pas la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Parce qu'entre-temps, Paul avait dit, j'en appelle à César. Je vais passer devant César à Rome. Ah, si ce n'est pas qu'il avait dit ça, on l'aurait relâché tout de suite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne commence pas à prendre la défense de Paul. Et qui va prendre la défense de Paul si ce n'est pas qu'ils ont été convaincus que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur. Oui, Jésus est le Seigneur et ils ont compris. Parce que le Saint-Esprit a fait l'œuvre qu'il avait prévu de faire. Et le Seigneur Jésus-Christ l'avait déjà dit dans Jean chapitre 16, verset 8 au verset 11. Il dit, quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et ceux-là, ils ont été convaincus. Convaincus que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, l'évangile doit être prêché de façon pure. Christ est mort pour les péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité et il est vivant, assis à la droite du Père. Celui qui croit en lui a la vie sauve. Voilà le message, le cœur du message. Et qu'il est mort pour les péchés de l'humanité. Quiconque croit en lui a la vie sauve. Et donc, mission accomplie. Paul a accompli sa mission auprès du roi Agrippa. Le Seigneur dit, tu vas aller témoigner. Il a témoigné, un point, c'est tout. Il a témoigné, il a fait son boulot. Qu'est-ce qui va se passer après? Il ne sait pas. C'est pourquoi il disait tout à l'heure que, et quand nous avions lu la réponse, quand le roi Agrippa disait, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, Paul va répondre, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception du Seigneur. Ça veut dire que Paul a la foi. Que soit il est convaincu maintenant et il va confesser Christ, ou bien il va donner sa vie à Christ, peut-être la nuit là, il sera délogé dans son cœur. Le Saint-Esprit va le tourmenter, va le déloger, va le persuader de donner sa vie à Christ. Ou bien plus tard, le Seigneur va utiliser peut-être une autre personne qui va venir arroser ce que Paul avait dit et le roi sera convaincu que Christ est véritablement celui qu'il faut avoir dans sa vie. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs. Nous savons que la parole de Dieu est la vérité et lorsqu'elle est prêchée véritablement, cela porte beaucoup d'effets. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi est-ce que Agrippa et Festus ne pouvaient pas relâcher Paul? Non seulement Paul a appelé à César, mais sa mission n'était pas encore finie. Vous comprenez que ce n'est pas la volonté de l'homme qui va accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu est déjà tracé. Il va utiliser des hommes pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui va faire quoi que ce soit pour qu'un homme puisse dire « c'est grâce à moi ». Non, Dieu ne veut pas partager sa gloire. Il a été clair avec l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 23, le verset 11. La Bible dit que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Quand il était dans les moments difficiles, arrêté, en prison, le Seigneur va lui apparaître et va lui dire, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Donc, il faut absolument que Paul puisse arriver à Rome. Donc, Paul ne pouvait pas être relâché là-bas. Il fallait que Paul arrive à Rome. Tu vas me dire, mais Paul pouvait aller à Rome et peut-être libre. Non, il fallait que Paul puisse comparaître et puisse faire ce qu'il devrait faire selon que le Seigneur l'a appelé à faire, puisque le Seigneur est aux commandes de sa vie. Et donc, nous allons voir que Paul sera envoyé à Rome dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Et nous sommes presque à la fin du livre des Actes des Apôtres, qui s'arrête au chapitre 28. Donc, nous voyons que c'est disons,
un peu la fin de son histoire. Paul a fait des grandes choses, des choses extraordinaires. Et il est presque au bout du chemin. Il faut que tu comparaisses, tu rends témoignage de moi à Rome. Et vous vous rappelez que dans l'épître de Paul aux Romains, il avait déjà le désir. Il dit, je souhaiterais venir vous voir, parce qu'il n'était pas encore allé, quand il écrivait cette épître aux Romains, il n'était pas encore allé à Rome. Et il est allé à Rome, étant dans les chaînes. Mais c'est à dessein. Et nous allons voir maintenant comment l'apôtre Paul, encore quelques minutes, l'apôtre Paul, sur le chemin, le Seigneur va encore faire des choses extraordinaires. Nous comprenons que quand le Seigneur appelle, non seulement il protège, mais il faut concourir toutes choses pour le bien de celui qu'il a appelé. Vous vous rappelez Romains chapitre 8, verset 28. Il dit ce qu'il a, il fait, on va le lire. Romains chapitre 8, verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Donc, il va faire concourir toutes choses, pour que sa gloire se manifeste. Et ça, c'est quelque chose que nous devons garder, nous les enfants de Dieu. Notre Seigneur ne rate pas le but. Quand Jésus a été crucifié, Jésus a été mis à mort, les gens ont pleuré, ont dit, mais ça n'est fini. Notre espérance est perdue. Mais non, c'est un dessein qui a été déjà arrêté par Dieu. C'est ce que Pierre va dire le jour de la Pentecôte. C'est un dessein arrêté de Dieu. La Bible dit que c'est autant marqué. Christ est mort pour les impies. C'est autant marqué. Ce n'est personne qui l'a pris sa vie. Il a donné lui-même. Il a donné sa vie lui-même. Oh, bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous aime tellement. Mais comme dans tout cheminement, pour accomplir la volonté de Dieu, il y a des obstacles naturels. Et nous allons voir que sur le chemin pour aller à Rome, il y aura une tempête sur le chemin. La tempête va vouloir bloquer l'arrivée de Paul à Rome. Mais quoi qu'il arrive, Paul sait qu'il va arriver de l'autre côté. Vous vous rappelez, le Seigneur dit à ses disciples, allons à l'autre bord. La tempête s'est levée, elle dit, non, vous n'allez pas arriver à l'autre bord. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Bien-aimé, si Dieu a parlé, il a parlé. Ce qui est écrit, est écrit. Et donc, impossible que la tempête puisse bloquer le plan de Dieu. Et nous allons voir que la tempête ne va pas pouvoir bloquer l'arrivée de l'apôtre Paul à Rome. Et nous allons prendre la partie de la tempête, puisque nous allons prendre ces obstacles. Après, il va arriver sur l'île de Malte et nous allons voir après ce qui va se passer là. Nous allons parler peut-être ce soir de la tempête et nous allons nous arrêter. Et la prochaine fois, nous parlerons de ce qui s'est passé sur l'île de Malte. Alors, la Bible dit que dans le verset 14, donc Actes des Apôtres chapitre 27, vous pouvez lire hein, du verset 1 jusqu'au verset 44, mais je prends des portions pour que nous puissions aller vite et comprendre ce que le message que le Seigneur veut nous donner. Et dit bientôt, verset 14, bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine et à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Donc on nous décrit la navigation, comment ça s'est passé. Quand nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Donc c'était terrible cette tempête-là. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Oui, dans cette tempête, l'apôtre Paul même a voulu perdre espoir. Et quand Luc
qui écrit ce récit dit, nous avons presque, il dit, nous perdîmes en fait tout espoir, toute espérance de nous sauver. C'était tellement fort. Et vous rappelez la tempête que les disciples ont pu expérimenter avec le Seigneur dans la barque. Elle était tellement forte que la Bible dit que la barque allait chavirer. Et ils ont crié, ils ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, sauve-nous. Et le Seigneur s'est levé, il a fait taire le vent et la tempête. Donc nous comprenons que nous pouvons traverser des choses difficiles qui nous amènent à pouvoir même douter de notre appel, à pouvoir nous douter même que c'est sur le chemin, le bon chemin que nous sommes. Paul était en route sur Rome, devrait arriver à Rome, mais la tempête était tellement forte qu'ils ont voulu perdre l'espérance. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a prévu tous les plans. C'est pour cela qu'il a pu dire à ses disciples déjà, vous avez des tribulations dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Alors ici, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va venir au secours, va venir fortifier son serviteur. Et ça, il sait le faire. Le Seigneur sait fortifier ses serviteurs et il va te fortifier. C'est pour cela que ne cherche pas à vouloir aider Dieu. Il sait s'aider, le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans le verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. D'où lui vient cette assurance? Il s'est levé tout à l'heure, Luc disait, nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Mais la Bible dit, aussitôt, quelques temps après, Paul s'est levé et a fait cette déclaration. D'où lui vient cette force? Et c'est ce que le Seigneur fait à ses serviteurs que nous sommes quand nous avons l'impression de désespérer. Nous avons l'impression que tout va mal. En ce moment même, le Seigneur envoie le secours. Et le secours, comment il va l'envoyer? C'est la même chose lorsque nous avons lu dans Acte 23, verset 11, et que le Seigneur lui a paru pour lui dire, prends courage. Il était dans un moment où il avait besoin de courage. Donc le Seigneur, c'est véritablement le consolateur. Il console Paul, il dit, prends courage. Je sais que tu souffres, que c'est dur d'être méprisé ainsi. C'est dur d'être frappé ainsi. C'est dur d'être mis en prison alors que tu n'as rien fait. Moralement, c'est très dur. C'est très difficile à supporter. Donc le Seigneur comprend. Il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Non, il sait que nous pouvons également perdre courage à des moments où les choses vont très mal. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand il fait cette déclaration, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière. Et c'est ça qui va nous être révélé dans le verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Paul déclare qu'il appartient au Seigneur. Est-ce que toi tu le déclares, j'appartiens, le Dieu auquel j'appartiens? Nous sommes l'instrument. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, nous appartenons à Dieu. Nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous sommes son ouvrage. Ce n'est pas maintenant que tu vas réfléchir. Est-ce que ce... Non! Je suis son ouvrage. J'appartiens au Seigneur. J'appartiens à Christ. Et c'est ce qu'il va dire. Le Dieu, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Il t'est apparu pour faire quoi? Et il m'a dit, Paul, ne crains point. À chaque fois, je suis impressionné en étudiant le livre des Actes des Apôtres, combien le Seigneur est proche de ses serviteurs. Bien souvent, nous pouvons dire, ah, est-ce que le Seigneur est avec moi? Bien aimé, le Seigneur est avec toi. Il ne nous abandonne jamais. Il est là. Quand nous souffrons, quand tu passes par les vallées de l'ombre de la mort, il est là. Quand tu traverses les eaux, il est là. Quand tu traverses le feu, il est là. Il ne t'abandonne jamais. Parce que quand il regarde dans ton cœur et que le découragement arrive, il envoie le secours
pour te relever. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ne crains point. Ne crains point. Là, acte 23, prends courage. Ici, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné, Dieu te donne. Ou bien Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ça veut dire que personne ne mourra. Et j'aime bien cette déclaration dans le verset 25 de l'apôtre Paul. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a dit. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter là parce que c'est tellement important que nous puissions avoir cette certitude. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Bien, mais il en sera comme il a dit. Il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. L'ange lui a dit, voici, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Non seulement toi, tu vas comparaître devant César, c'est écrit, mais tous ceux qui sont dans la barque, on te l'a donné, on te les a donnés. Personne ne mourra. Waouh! Il fallait être dans la bonne barque le jour-là. Certainement qu'il y avait d'autres barques qui étaient parties, mais il fallait être dans la barque de l'apôtre Paul. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas avec qui tu navigues, mais si tu navigues à côté d'un homme de Dieu, ah, la grâce va te toucher aussi. Mais si tu navigues à côté d'un moqueur, d'un méchant quelque part, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Le psaume chapitre 1 dit, qu'est-ce que le psaume chapitre 1 dit? On va le lire. Bien-aimés, sachez avec qui vous marchez. Nous les chrétiens, nous devons marcher avec ceux qui nous ressemblent. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant te dit, viens, on va rentrer dans cette barque. Tu rentres dans la barque avec le méchant, tu vas voir ce qui va arriver. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au lieu d'avoir des amis chrétiens, au lieu d'avoir des hommes de Dieu pour amis, des hommes de Dieu pour te conseiller, pour être dans la voiture avec ces hommes de Dieu, écouter leurs conseils, toi ce qui devrait c'est de fuir les hommes de Dieu, de fuir les serviteurs de Dieu pour aller plutôt avec tes amis. Bien aimé, il fallait être dans la bonne barque. La barque de l'apôtre Paul est une barque qui est couverte de grâce. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en leur compagnie, en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, tu t'approches des gens qui aiment la parole de Dieu et qui tout le temps parlent de Dieu. Mais quand ça te pique les oreilles et tu dis non, moi chaque fois là c'est Dieu, 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 moi je vais aller avec. Quand un malheur s'approche ou bien quelque chose veut arriver, Dieu peut te sauver par grâce, mais il faut être dans la bonne barque. C'est juste ça le message, être dans la bonne barque. Et bien aimé, c'est ces autres qui naviguent, les autres hommes qui naviguent avec l'apôtre Paul étaient véritablement dans la bonne barque. Bien aimé, le Seigneur n'est pas seulement, il n'a pas fait à l'apôtre Paul comme si c'était quelque chose d'isolé. Jésus est notre modèle. Et Jésus lui-même a traversé quelque chose comme ça, dans le jardin de Gethsémané. Et c'est justement Luc qui en parle. Dans Luc chapitre 22, verset 43, Luc en parle. D'ailleurs, c'est lui seul qui en parle, si ma mémoire ne me trompe pas. La Bible dit que dans le jardin de Gethsémané, il était en train de prier. Il est en train de prier. Il s'éloigna. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ta volonté, pas ma volonté. Paul dit, Seigneur, que ta volonté. Je ne sais pas quelle prière Paul faisait dans la barque qui était en train de chavirer.
C'est tellement il a demandé, Seigneur, pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Et la Bible dit dans le verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le faire quoi? Le fortifier. Alléluia. Pour le fortifier. Pour le fortifier. C'est à ce moment, étant en agonie, priait plus instantanément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié ainsi, il se leva et vint vers les disciples. Bien-aimés, le Seigneur nous a montré le modèle. Quand vous êtes en difficulté, je vous envoie le secours. Le secours vient de l'Éternel. Et il envoie le secours, Dieu envoie le secours vers son Fils. Et toi qui es le serviteur de ce Fils-là, si tu es en difficulté, le Seigneur t'enverra du secours. Peut-être que toi, tu n'auras pas un ange qui va t'apparaître. Peut-être que c'est une parole qui va émerger dans ton cœur. Le Saint-Esprit te dit, prends courage, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur était avec Paul. Nous allons voir dans la suite, la semaine prochaine, que le Seigneur était véritablement avec l'apôtre Paul. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Nous savons que le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il le fera demain. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous serons véritablement des serviteurs avec Dieu dans sa moisson. Dieu a besoin des ouvriers qui travaillent avec lui. La main dans la main. Il veut nous utiliser comme des instruments, des semeurs. Prenez un agriculteur, un propriétaire de champ qui recrute des travailleurs. Il y en a certains qui sont recrutés pour aller sacler. D'autres sont recrutés pour aller faire des sillons. D'autres encore sont recrutés pour aller semer. D'autres sont recrutés pour aller désherber. Chacun a sa tâche. Et le propriétaire, il est là. Il est content de voir ses ouvriers qui sont en train de collaborer avec lui pour l'avancement de son œuvre. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Toi qui as écouté ce message, sache que Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu sois tout à lui. Oui, le Dieu auquel j'appartiens, le Dieu à qui j'appartiens, Paul sait qu'il appartient à un Dieu puissant. Et toi aussi, moi aussi, j'appartiens à un Dieu puissant qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Quelle grâce tu nous as encore accordé ce soir d'écouter ta parole. Ta parole est la vérité. Nous avons vu comment tu as conduit ton serviteur l'apôtre Paul. Oh Père, tu es fidèle. Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Tu as dit de Paul qu'il doit paraître, il doit aller témoigner de toi devant les rois, devant son peuple, mais devant les rois également, les païens. Et il l'a fait. Nous voyons les témoignages, les choses se faire comme tu l'as dit. Et même lorsque tu as dit qu'il faut que Paul apparaisse ou bien comparaisse devant César pour témoigner dans Rome, Seigneur, tu vas le faire. Tu vas veiller à ce que cela se fasse. Nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Je prie pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur, que nous puissions, Seigneur, te faire confiance. Confiance totalement. À chaque fois, Seigneur, dans notre vie, nous voulons que nos yeux soient portés vers toi. Toi qui es fidèle, toi qui es appelé fidèle, il n'y a pas plus fidèle que toi. Nous les hommes, si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous te prions, moi qui suis en train de parler de cela, et Seigneur mes frères qui m'écoutent, nous voulons, mes frères, mes soeurs, nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Saint-Esprit, aide-nous à avoir totalement confiance en notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu, Père, toi qui nous as assistés encore ce soir. Que ces paroles soient gravées sur les murs de nos cœurs. Et que, Seigneur, tu continues de travailler en nous pour l'avancement de ton œuvre. Ton Église doit revenir, oui, Seigneur, à la vérité. Doit revenir aux fondamentaux. La collaboration avec le Saint-Esprit dans la pensée de Christ. La pensée, la vision que tu as pour ton Église. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.